Mesdames et messieurs, je vous ramène une femme de paix. Média Plus Télé, c'est Nancy Kawaya et je suis avec Cécile Edungu qui a des choses à nous dire. Bonjour Cécile. Bonjour Nancy. Alors, pourrais-tu nous expliquer pourquoi tu es devenue une femme de paix? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce que tu as fait? En fait, tout le mois de mars, pour ce mois de mars, je suis le prophète Cécile Edungu, je suis présidente de l'ONG Les Collines de Selimbao. Les Collines de Selimbao a pour objectif de procurer les soins de santé de qualité dans les milieux défavorisés. Et pour le mois de mars ici, nous avons fait décider de pouvoir réhabiliter le pavillon 11 qu'on appelait avant, parce qu'on ne s'appelle plus comme ça, on appelait avant le pavillon des indigents. Et maintenant, nous, après la réhabilitation, nous avons bien surnommé le nom le pavillon médico-social. Donc voilà. Et après cette réhabilitation, parce qu'il faut souligner que cette réhabilitation n'a été faite qu'avec la participation des Congolais vivant à Kinshasa. Et de l'étranger aussi, qui ont participé. Donc je veux dire, on n'a pas été chercher des budgets ailleurs, mais je voulais d'abord toucher le cœur de Congolais, qu'avant qu'on vienne nous aider, montrons ce que nous sommes capables de faire. Montrons le paix que nous pouvons apporter. Et donc, c'est possible, en fait. Hein, mais c'était possible, c'est possible, parce qu'en 2 mois, nous avons quand même pu récolter 58 000 dollars et nous avons pu réhabiliter tout le pavillon, les lits, les matelas, les carrelages. Voilà, on a tout fait, on a fait les sanitaires. Donc, 58 000 euros en 2 mois. Elle l'a fait, dollars, excusez-moi, trop habitué aux euros. Elle l'a fait en 2 mois, a récolté 58 000 dollars sans aide externe à Kinshasa et réhabiliter le pavillon 11 de Mama Yemou. Maintenant, dorénavant, nous aimerons que tout le monde ne dise plus le pavillon des indigents, parce que ce pavillon, en fait, abrite tous les gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas la possibilité de payer les hôpitaux. Et donc, on ramasse suite à un accident, un AVC, donc, ou des gens qui ont oublié qui ils sont parce qu'ils ont fait un AVC en pleine rue. Et voilà, donc ces gens ne savent pas payer. Et alors, vos besoins, en quelques minutes, pour les gens qui nous regardent, parce que très vite, il faut qu'ils puissent saisir comment est-ce qu'on peut vous aider, où est-ce qu'on vous trouve, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Voilà, le besoin actuel, donc dès le mois mi-mai, ici, le 15 mars, nous commençons pour pouvoir réhabiliter le pavillon 17, donc la néonatologie à Mama Yemou, c'est les prématurés. Parce que nos bébés meurent tous les jours là-bas. On met 4 bébés par couveuse. Il y a de l'eau qui coule. Et à chaque coupure de courant, nous perdons 4 à 5 bébés. Et Dieu seul sait combien de fois on perd le courant coupe à Kinshasa. Donc nous ne voulons plus, nous disons stop au décès de nos enfants. Et donc on a décidé, ensemble avec tous les Congolais, tout le monde encore, parce que seul on ne peut pas. Moi je le fais toujours avec tout le monde, de pouvoir réhabiliter ces bâtiments. Nous avons besoin de plus ou moins 350 000 dollars, parce que nous devons acheter 20 couveuses, et les couveuses coûtent énormément cher. Nous devons mettre les panneaux solaires pour que le problème de courant ne se pose plus, qu'on ne perde plus nos bébés. Nous devons réhabiliter tout le matériel pour la néonatologie, pour réanimer les bébés. Et donc tout ça, on a fait un budget qui nous a fait plus ou moins 350 000 dollars. Une petite question, parce que il y a des gens qui ont de l'argent et puis il y a d'autres qui ont peut-être des couveuses, des hôpitaux, je ne sais pas. Donc, en quelques minutes, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver pour que vous puissiez, ce soit plus facile? Parce que peut-être que ce serait trop long de lister, mais par contre, il faut qu'on sache où est-ce qu'on vous trouve et comment on fait pour rentrer en contact avec vous. On peut rentrer en contact avec moi via Facebook, Cécile Edungu, ou bien les Collines de Selimbao, ONG. Mon numéro de téléphone en Belgique, 0032 489 11 94 43, ou via vous. Voilà. Elle sera diffusée sur Média Plus Télévision avec toutes ses coordonnées. Et puis on ne vous demande pas que les dons financiers, hein. Voilà. Donc même le don matériel. Hein, voilà. Parce que les 58 000, on n'a pas eu de l'argent. Il y a des gens qui ont acheté 20 sacs de ciment qui ont amené. Ouais. Ils ont acheté des lits, ils ont amené. Donc c'est important quand même de dire aux gens, vous ne devez pas dire, moi je dois donner l'argent. Donc, les ressources, votre main d'œuvre aussi, voilà, en tant que bénévole. Donc, ils ont besoin de beaucoup de choses. Exactement. Aider cette femme, c'est la femme de la paix. Merci. Je suis très heureuse de te rencontrer, Cécile, de moi femme aussi. De paix. À très Merci vite. Merci beaucoup. À très bientôt. Sur Média Plus.